Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu à Noël, puis les achats que j'ai faits récemment. Puis là, je filme avec mes nouvelles lumières, mes softbox. Je peux vous dire qu'il fait chaud. J'ai comme deux gros softbox juste là. Fait que ça éclaire vraiment bien, là, je trouve. Là, je suis vraiment contente. Puis c'est ça, je les ai reçus tout à l'heure, là. Je les attendais impatiemment dans mon salon. Fait que je suis vraiment contente, puis voilà, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai eu, ben restez à l'écoute. Premièrement, j'ai commencé par des produits que j'avais eu à ma fête, mais que j'avais pas montré. J'ai oublié de montrer dans mon vidéo que j'ai faite pour vous montrer ce que j'avais eu à ma fête. Donc, de mon amie Lisa, j'ai reçu le coffret de Benefit, comme ça ici. C'est Primping with the Stars. Ça se présente comme ça. Puis à l'intérieur, il y a plusieurs produits. Comme ça ici. Donc, premièrement, il y a un concealer. C'est le Don't Stray. Attendez. Stay Don't Stray. Ensuite, il y a un genre de fond de teint, si on veut. C'est comme en crème, là. C'est le Gorgeous de Benefit. Some kind et gorgeous. Ensuite, il y a le Professional. C'est le pour diminuer l'apparence des pores. Il y a l'illuminateur que j'aime vraiment beaucoup, Girl Meets Pearl. Puis, il y a le Benetton petit format que j'aime aussi vraiment beaucoup. Okay. Il en reste plus ma main. Et j'ai le mascara, mon préféré de tous les temps, Dare Real, que j'adore énormément. Donc, merci Lisa. Ensuite, mon amie Justine m'a donné des produits Clarins, parce qu'elle travaille chez Clarins. Puis, premièrement, elle m'a donné la crème désaltérante, multi-hydratante, comme ça, que j'avais... Elle m'avait donné beaucoup d'échantillons, puis je l'aimais beaucoup. Donc, je l'applique tout le temps. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, elle m'a donné le bisérum intensif anti-soif, parce que moi, j'ai vraiment la peau déshydratée. C'est un sérum que je mets avant d'appliquer ma crème. Je le mets autant matin et soir. Donc, c'est vraiment pour hydrater. Là. Ça fonctionne vraiment bien. Puis ensuite, elle m'a donné le masque crème anti-soif spécial pour déshydrater comme ceci. C'est un masque qu'on applique une fois de temps en temps, qu'on laisse agir toute la nuit, puis qu'on rince le lendemain matin. J'avais essayé l'échantillon, mais j'ai pas encore utilisé le format qu'elle m'a donné. Mais jusqu'à maintenant, je suis vraiment satisfaite des produits. Donc, merci Juju! Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël. Premièrement, de ma cousine, j'ai reçu, je suis tellement contente, j'ai reçu le Clarisonic Mia. Je m'attendais tellement pas à avoir ça, là, mais honnêtement, quand je l'ai déballé, j'étais tellement contente. Là. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous le montrer ici. C'est une petite brosse comme ça, électrique, pour se nettoyer le visage. Dans le fond, c'est quand vous l'activez, c'est une minute que ça vibre. Dans le fond, vous faites des rondes même sur votre front, 20 secondes sur votre front, 20 secondes sur le nez et menton, puis 10 secondes chaque joue. Fait que c'est une minute en tout. Puis vous appliquez, il y a la petite crème qui vient avec, là. La petite crème là, de Clarisonic. Puis vous appliquez, vous mettez quand même une quantité généreuse sur la brosse que vous mouillez avant. Vous mettez votre visage. Puis vous venez faire ça. Puis, oh my god, je vous le jure, là, ma peau est tellement douce après avoir fait ça. C'est incroyable. Là. Je suis vraiment contente. Pour ceux qui ont de l'acné, ça va vraiment aider. Ça enlève vraiment tous les résidus. Ça nettoie 6 fois mieux que si vous nettoyez juste avec vos mains puis un produit. Donc c'est fou là, comment c'est... C'est vraiment la meilleure chose que je peux pas avoir pour nettoyer ma peau. J'ai vraiment remarqué une différence. Là. Ma peau est tellement plus... j'ai tellement un plus beau teint. Là, puis ça dit aussi que quand on utilise ça, après quand on applique nos produits, mettons crème hydratante, tout ça, ça la peau elle absorbe encore mieux ces produits-là parce que t'as vraiment plus aucune saleté sur ta peau. Là, puis t'as aucune couche... de saleté dans le fond, là, fait que c'est vraiment bon. Je suis vraiment contente d'avoir su ça. Ensuite, ma soeur, elle m'a donné deux choses, parce qu'on s'entend que mon cadeau de fête, Miley Cyrus, c'était comme vraiment une grosse chose. Donc, elle m'a donné une chandelle de chez Bath & Body.
C'est la Cranberry Woods, donc bois et canneberge. C'est vraiment bonne. C'est le format moyen. Puis elle m'a donné la brume Be Enchant, genre enchantée, je pense. Donc ça aussi, ça sent vraiment bon. Ça sent bon. Ensuite, on a fait un échange de cadeaux avec mes amis. Puis moi, j'ai reçu une chandelle encore. Le gros format, c'est Sweet Clémentine. Donc ça sent vraiment la clémentine, là. Ça sent frais, ça sent vraiment bon. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, mon père, il m'a acheté la lentille de caméra, ben, qui va sur ma caméra, la EF 50 mm. F1.8, là. F, je pense que c'est ouverture, en tout cas. C'est avec elle que je filme présentement, puis que j'ai filmé mon dernier vidéo. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Ça fait vraiment que, tu sais, je suis vraiment focussée, puis l'arrière-plan, il est flou, là. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, là, pour vrai. Ça va tellement bien, ça change tellement la qualité, là, pour vrai, là. Parce que je suis vraiment, vraiment contente. Ensuite, au Dynamite, ils nous donnaient un cadeau aux employés, comme après qu'on ait fait le Boxing Day, dans le fond. C'est un petit kit comme ça, ici. C'est marqué Showtime. Puis, c'est un kit à ongles rose, vraiment cute. Donc, on a tout ça, fait que je suis vraiment vraiment contente. C'est pratique, tu sais, tu mets ça dans ta sacoche, puis si t'as besoin, mettons, de te limer un ongle ou n'importe quoi, ben, au moins t'as ça. Maintenant, je vais vous montrer les achats que je me suis faits dernièrement. Donc, premièrement, j'étais allée au David City. Il y a un petit bout de ça, puis je me suis acheté deux thés. J'ai pris Noix Magique parce que je ne l'avais jamais goûté. Ça sent juste trop bon, vous pouvez pas comprendre comment ça sent bon. C'est mon thé préféré maintenant, là, pour vrai, là. Oh, je l'aime tellement. Puis j'en ai acheté un autre, là, mais il est en haut, là. Ça me tente pas d'aller chercher, mais c'est Promenade en traîneau. Si je me... Ouais, Promenade en traîneau. Puis lui aussi, il est vraiment bon, mais comme je préfère encore plus Noix Magique. Ensuite, je me suis acheté une chandelle parce que quand j'étais allée acheter pour le cadeau à ma soeur, c'était deux. Ben, t'achetais une chandelle et t'avais l'autre gratuite. Fait que même si t'en prenais une grosse, t'en avais une autre grosse gratuite. Fait que je m'en suis pris une. Puis c'est celle que j'avais l'hiver passé puis que j'aimais vraiment beaucoup puis que j'ai fini au complet. C'est Cinnamon Sugar Donut. Donc, c'est beignes à la cannelle. Puis ça sent tellement bon. Tu sais, ça sent sucré, ça sent le beignes, mais pas trop sucré. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop, trop, là. Genre, cupcake, je sais pas trop, là. En tout cas, j'aime pas trop ça, mais. Elle, c'est genre juste correct, puis oh, ça sent tellement bonne. Fait que voilà. Puis ensuite, c'est du linge, puis vous vous doutez sûrement pas que ça vient tout du Dynamite, sauf une chose. Donc, je vais commencer par des foulards. J'ai acheté premièrement ce foulard-là, que j'aime vraiment avec des petites angles de bateau, là. C'est vraiment cute. Donc, j'ai acheté lui. Ensuite, j'ai acheté un autre foulard en coton, là. Il est bleu marin. C'est tous des foulards infinis en passant. Donc, bleu marin, je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, ça se porte avec pas mal tout, là, fait que c'est le fun. Puis, je me suis acheté un foulard en laine aussi que j'aime beaucoup. Il est comme ça ici. Mais on peut comme juste faire un tour. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, je peux pas faire deux tours, là. Ça va être trop serré ici, là. Mais je l'aime vraiment beaucoup aussi. Il est vraiment chaud. Ah, j'avais oublié un autre cadeau que j'ai eu à Noël. Que Cheryl m'a donné, c'est une veste de laine vraiment belle. Comme ça, manche longue, qui vient de chez Vero Moda. Puis elle s'attache pas, là, elle est juste ouverte de même. Donc je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est trop confort, là, jamais tout le temps pour vrai, là. Ensuite, là, du dynamite, tout le reste, ça vient de là. Non, sauf une affaire, en tout cas. Je me suis acheté une chemise comme ça. Elle est assez longue pour porter avec des leggings. Elle est manche longue, là, il y a des petits boutons ici. Puis elle est comme. Pas lignée, là, mais elle est comme. Il y a un peu de blanc dedans. C'est comme gris. C'est bizarre la couleur. C'est comme gris. Gris bleu un peu, là. Ok, voilà. Ensuite, j'ai acheté d'autres leggings parce que vous savez comment j'aime les leggings du Dynamite. Vraiment trop beaucoup. Ils sont comme ça. Il y a du cuir au niveau des genoux ici. Comme avec des lignes un peu. Puis il y a du cuir en arrière à la taille ici.
sont juste trop, trop, trop confort, là. Pour vrai, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai acheté une veste Bourgogne qui a des boutons à sa tâche. Elle est vraiment longue, tu sais, pour porter avec des leggings, c'est parfait. Manche longue, comme ça. Puis elle est Bourgogne, mais il y a comme du noir, bleu marin. Bleu foncé noir dedans un peu, fait que ça fait vraiment beau, comme si je mets mon foulard bleu marin, là, ça fait beau ensemble. Puis vu que je l'aimais trop, je la trouvais trop belle, je me suis aussi acheté en gris. C'est celle que je porte en ce moment. Donc elle est gris avec du blanc dedans, là, plusieurs teintes, puis comme je vous dis, elle est vraiment longue. Fait que je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre chandail qui est nouveau, là. En passant, tout à l'heure que je vous ai montré... du dynamite, il y en a encore. Là. C'est pas mal nouveau. Fait que, t'sais, si jamais vous voulez vous le procurer, ben, on en a encore. En tout cas, à mon magasin. Là. Ensuite, ça, c'est une nouveauté là, qu'on a reçue. Puis je vous le jure, ce chandail-là, okay, on a reçu une batch. Comme peut-être 10 chandails. Puis deux jours plus tard, il en restait un. On les a tous vendus. Je vous jure, il était vraiment populaire. Puis il est aussi en gris. Puis en gris aussi, on avait reçu comme 10. Puis après deux jours, il en restait peut-être 3 ou 4, le max. Fait que, il est vraiment populaire, mais il est vraiment beau. Il est comme rose avec du blanc, du noir aussi dedans. Comme plein de couleurs. Il est plus long en arrière, plus court en avant un peu. Mais il se porte très bien avec des leggings, là, il est vraiment long. Puis en arrière, il y a un zip dans le dos. Fait que c'est ça que je trouve vraiment beau, je trouve. Là. Puis il est manche longue. Ouais, manche longue. Donc voilà, il est vraiment grand beau. En tout cas, moi je l'aime. Je trouvais qu'avec ma couleur de cheveux, ça allait bien ensemble. Donc voilà. Puis la dernière chose, c'est une veste que je me suis achetée au garage. C'est la veste la plus douce au monde. Là. Pour vrai, elle est tellement, tellement douce. Et comme ça, en genre de minou, là, moi je trouve que ça ressemble à du tapis. Là. Puis elle est pas tout à fait blanche, elle est crème. Là. Puis elle est vraiment longue, puis elle s'attache pas. Il y a des poches. Je trouve ça pratique quand il y a des poches, là. Donc, elle ressemble à ça, puis elle est tellement douce. Ça n'a aucun sens, pour vrai, là. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. C'est sûr que je vais en faire beaucoup plus, parce que vu que j'ai mes lumières, là, je vais pouvoir filmer comme à toute heure de la journée. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de vidéos. Puis, c'est ça, ben restez à l'affût sur ma chaîne. Pour les nouvelles vidéos qui sont à venir. Donc, je vous dis au revoir, puis à la prochaine. Bye!